Voilà, donc dans cette vidéo, on va regarder comment on fabrique donc cette pelle mécanique pour enfants et pour grands-enfants aussi. Donc, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, on va fabriquer donc cet objet, donc cette petite pelle mécanique pour amuser les enfants. Donc ça, c'est super marrant pour les enfants, ils peuvent creuser partout, voilà. Un petit peu moins pour les parents, ça dépend où vous mettez l'appareil, mais sinon c'est très très amusant pour les enfants. Voilà. Donc pour faire cet objet, pour faire cette petite pelle, il nous faut quand même un minimum de ferraille. Donc on n'a pas besoin non plus d'avoir des grandes longueurs, juste des petites longueurs, c'est largement suffisant. Voilà. Donc il nous faut, pour moi, j'ai utilisé donc un siège comme ceci. Donc il était vraiment pourri, hein, un siège de tracteur. Donc il y avait un énorme trou au milieu, j'y ai mis une petite tôle là pour camoufler le petit trou et puis ça fera très bien l'affaire. Pour ce qui est de l'assise au sol, on peut le faire avec une jambe de voiture, c'est faisable, il n'y a pas de problème, sauf que moi ne disposant pas de jambe de voiture, donc j'étais obligé de changer et pour cela j'ai utilisé du U. Voilà, donc une petite barre de 60 cm, deux petites barres de 60 cm. Et puis j'en ai coupé une presque en deux, voilà, afin de lui donner donc un effet comme ceci, donc de lui faire faire une croix, voilà. Comme ça, l'assise, elle est, c'est stable, il n'y a pas de problème au niveau du sol, c'est vraiment stable, voilà. Ensuite, nous avons besoin donc de tubes, donc j'ai un petit tube comme ceci. Au niveau des dimensions, vous prenez ce que vous voulez, hein, voilà, il n'y a pas de cote, il n'y a rien, c'est à l'œil, il n'y a pas de problème, c'est l'imagination aussi qui compte, voilà. Donc j'ai utilisé ce petit tube que je viendrai souder donc sur mon assise et ensuite j'avais récupéré un autre tube, donc légèrement plus gros, afin donc que celui-ci puisse glisser à l'extérieur, voilà, dans l'autre, rentrer bien dans l'autre. Donc une fois que c'est fait, ben, j'ai coupé avec un petit angle, donc vous pouvez prendre 20-30 degrés, pas plus, ça sert à rien, afin de lui donner donc une petite inclinaison sur l'arrière. Donc vous prenez votre tube, ben vous le coupez en deux, et après, et ben au lieu qu'il soit droit comme ceci, vous lui faites faire un demi-tour, et ça va lui donner une inclinaison. Voilà, donc le petit tube coupé en deux, il n'y a pas de problème. Ensuite, nous avons besoin d'un plat. Donc un plat quand même assez épais, hein. Vous ne prenez pas du 10 mm, ça ne sert à rien. Celui-ci, c'est du 6, c'est largement suffisant parce que bon, il va être lourd, mais il ne faut pas oublier, il sera posé au niveau donc, de l'assise. Donc l'enfant n'aura pas besoin de trop forcer dessus. Voilà. Donc ensuite, nous avons, moi, de mon côté, j'ai pris du tube. Donc c'est du tout petit tube. C'est en fin de compte, c'est pour faire, les bras donc, de la pelle. Et puis on s'en servira aussi pour faire les manches, donc deux petits tubes là comme ceci, moi j'ai pris 2 mètres, après il faudra juste les couper à bonne longueur, ça sera nickel. Et nous avons, moi de ma part, j'ai pris deux petites poignées que j'ai récupérées d'un petit vélo, donc ça sera pour mettre les poignées, ça évitera que l'enfant soit au contact directement de la ferraille, et vu que c'est de la ferraille, ça va rouiller et ça va lui salir les mains, forcément. Voilà. Et ensuite, nous avons besoin de tôles de 2 mm à peu près, afin donc de réaliser un godet. Donc ce godet, ben, je l'ai déjà préparé. Voilà, il n'est pas énorme. Je vais vous mettre donc des petites photos donc, de la réalisation de ce petit godet. Le godet, c'est pareil. Vous le faites comme vous voulez, à l'œil. Par contre, il ne faut pas un énorme godet afin que l'enfant puisse forcément lever le poids qu'il y aura à l'intérieur. Sinon, ça ne sert à rien de lui faire un énorme godet. Voilà. Donc, plus il est petit, mieux c'est. Plus il s'amuse longtemps. Voilà. Donc, on va attaquer directement donc, par quelques soudures. Donc, on va souder notre assise en forme de croix. Donc là, il n'y aura pas de problème. Ensuite, on viendra souder directement notre tube, donc notre axe qui se trouve là, on viendra le souder sur notre croix. Et après, on viendra donc donner l'angle correct donc, de ce tube-là qui va s'insérer dedans et on viendra forcément le souder. Donc, il y a beaucoup de coupes et il y a beaucoup de soudures. Voilà, donc je vais souder maintenant tout ça.
Donc je viens de souder le siège avec mon tube. Au préalable, j'ai fait toutes mes soudures, voilà, tout tient. Il n'y a aucun problème. Donc voici l'assise une fois que c'est soudé. Et maintenant, donc on va la faire glisser directement dans notre support. Et probablement qu'il faudra y mettre une petite butée, car si le bas vient toucher les soudures qui se trouvent ici, forcément on aura du mal à tourner, à pivoter sur place. Voilà, donc maintenant que c'est soudé, voilà, ça ressemble à ceci. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de mal à tourner à cause des soudures. Mais sinon, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Et tout ça, c'est peut-être de la copie. Mais je le fais au fur et à mesure. Je ne prends aucune cote. C'est tout à l'œil. Et franchement, je suis quand même satisfait de mon résultat. Voilà. Donc, on va poursuivre avec la soudure sur le bas pour faire donc le pivot pour éviter une résistance au niveau de la soudure. Et après, on viendra donc continuer les petites soudures du support et puis la tringlerie et ceci et cela. Et on finira forcément avec le godet. Voilà, allez, c'est parti. Maintenant, on va attaquer la partie donc mécanique, celle avec le godet en bout et les tringleries. Donc, pour cela, du tube. Donc ça, c'est du tube creux, hein, 30 mm de diamètre. Essayez de prendre vraiment, si vous le faites en acier, de l'acier très très léger afin donc de ne pas trop forcer sur les bras, car c'est pas trop pour un adulte, mais bon, on peut s'en servir, on peut redevenir des gamins, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc évitez le poids donc du bras, ça fera trop forcer l'enfant. Et pour cela, donc mon tube creux, il a fallu que j'aplatisse donc les extrémités. Et pour cela, j'ai utilisé mon étau que j'avais acheté il y a quelques temps, dont j'avais fait une vidéo qui se trouve dans les coins. De chez Lidl, et j'ai donc mis mon tube à l'intérieur et resserré donc ce tube, et ça m'a écrasé donc les bouts afin de me donner des plats. Voilà, donc je vais vous montrer à peu près. Voilà, hop là, vous voyez, ça donne un petit plat comme ceci. Voilà, donc c'est pas très 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 propre, c'est pas très très esthétique, mais franchement ça fait le boulot. Voilà, donc il faut aplatir les extrémités aux environs de 4-5 cm et après d'y faire des trous assez près du bord afin de ne pas être gêné lorsqu'on fera la manipulation avec les manettes. Voilà, donc ça ressemble à ceci, à peu près à ceci. Donc on peut voir que ça fait déjà le mouvement, vous voyez, on peut aller chercher, on peut ramener, ça c'est pratique. Donc moi je les ai, hop là, moi pour celui du haut, vu qu'il y a un demi-cercle en haut, c'est fait en sorte pour aller chercher le plus loin possible. Donc j'ai raplani un tout petit peu plus mon tube pour que ça ne gêne en rien du tout. J'y ai donc fait un gros chanfrein, un gros arrondi sur l'extrémité afin que mon tube puisse bien circuler. Et sur celui du bas, j'ai fait un écrasement avec un angle plus prononcé afin non plus que ça ne gêne pas. Donc on peut tourner au maximum donc à cet angle là, ce qui fait un angle tranquille de 45 degrés. Voilà, et en bout de ces deux plats qui sont ici, on viendra donc y fixer notre godet qui est comme ceci. Donc voilà, là j'ai soudé donc un guide centré au milieu de mon petit godet, donc comme ceci, là voilà, ça c'est centré, et ça me permettra donc de pouvoir y insérer, hop, voilà, mes deux petits plats, et puis comme ça, ça sera bien au centre, bien droit, et j'ai plus qu'à venir donc finir mes soudures au milieu, et puis ça ne bougera plus. Là, je me suis donc avancé parce que c'est quand même un petit peu physique, voilà. Donc j'ai retaillé les longueurs des tubes parce que je trouvais quand même que c'était un peu trop long, hein. Voilà, on ne va pas travailler à 2 mètres, plus de 2 mètres de long. Donc j'ai recoupé un petit peu les tubes et je viens donc juste de finir les poignées.
Donc les poignées, je les ai fait à l'étau, donc de chez Lidl, pour vous dire que ça tient bien, ils sont pas cassés. Et pourtant j'ai tapé dessus et j'ai tiré, donc ça a pas cassé, c'est nickel. Voilà. Donc j'ai plié les deux tubes, donc en fin de compte c'est les chutes donc de ces deux tubes là. Donc je les ai pliés de façon à faire des poignées. Et vu qu'on les plie dans le même sens, il faut que ce soit quand même symétrique. Et ben après, comme ils sont pliés comme ça, vous avez juste à en tourner un. Et ça vous fait donc la poignée de droite et la poignée de gauche. Voilà. Ça y est, l'appel mécanique est terminé. Terminé, c'est un grand mot, mais est quand même à la fin donc de sa fabrication. Maintenant, c'est vraiment pas grand-chose à faire à part meuler quelques petites soudures, les soudures, couper quelques vis qui dépassent, sinon et la peinture, et sinon c'est terminé. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Pour fabriquer ça, il faut à peu près 2-3 heures. Je me suis un petit peu amusé comme ça pour voir à l'intérieur de l'atelier, c'est quand même génial. Voilà. Donc pour vous montrer que ça fonctionne, nous avons ce bras-là qui sert à lever. Donc bon, je ne peux pas le tirer de là-bas parce que j'y arrive pas. Donc il lève. Et nous avons le deuxième bras, donc celui-ci là, qui sert à l'inclinaison du godet. Vous voyez? Donc ça fonctionne très bien. Vous voyez? Hop là, nickel. Alors là, moi je dis. Ça, c'est du bon boulot. Voilà. Donc sur ce, eh ben, après avoir fait donc les soudures, le meulage des soudures, couper les vis et un peu de peinture, je vais le mettre en route dans un coin où il y a un tas de terre pour le petit. Il va s'amuser un petit peu. En même temps, ça va me reboucher le trou. Et puis je vous dis merci d'avoir regardé encore cette vidéo. Donc si vous avez des commentaires, pas de problème, vous les mettez encore dessous. Vous voulez vous abonner? C'est juste à côté. Je vous mettrai sinon le petit abonnement quand je serai parti de là. Et puis la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos à sortir. Moi je vous dis bon bricolage du dimanche à tous et à la prochaine. Bye!